plusieurs commissariats de la police nationale congolaise. Face à cette attaque, nos forces de défense et de sécurité, la police nationale congolaise et les FARDC ont procédé à l'anéantissement de ces forces négatives. Et à l'issue de ces affrontements, que vous avez tous constaté tout au long de cette crispement de balles, dans ces affrontements, on a tué 6 assaillants, 4 blessés, 36 assaillants capturés qui sont devant nous. On a récupéré 14 armes de guerre. Et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 hommes. Des FARDC et un de la PNC. Comme je l'ai dit très tôt le matin, nous avons suivi cette situation tout au long de la nuit. La situation aujourd'hui de la ville de Bukavu est sous contrôle. Et nous venons de terminer un conseil de sécurité provinciale. Les mesures ont été prises pour traquer les assaillants dans les retranchements. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs matériels et intellectuels de cette situation, afin de dégager les responsabilités pour en répondre devant la justice. Je l'ai dit dans mon communiqué du matin, j'appelle notre population au calme, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, la police, l'armée et les services de sécurité, pour dénoncer ces malfaiteurs, leurs complices et leurs commanditaires. Et surtout, dans le calme, de vaquer à leurs occupations habituelles. Bukavu n'est pas tombé. Nous sommes à Bukavu ici, je vous parle. Nous avons connu une situation malheureuse, mais je tiens à rassurer notre peuple et notre population. Nous tenons à souligner que le président de la République. Maître, ça, 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 Hakuna hata drapo moja ku Place de l'Independance, walibeba drapo zote, inamaanisha mwingine ilikamatiwa. Njoo hivyo, njoo hivyo.